Alors, je suis là ce soir Oui. sur instruction de monsieur le préfet de la région du Kop, préfet du département de Kanioua, qui présentement est en déplacement hors de Kanioua. Mais il a reçu, a été informé par son frère, son ami, le doyen Issoufou Traoré, Oui. de ce que ce soir, il y a une lecture coranique ici. Alhamdulillah. Et donc, comme monsieur le préfet sait bien que d'abord je suis un de ses proches collaborateurs et que je suis également musulman, donc votre frère, il a demandé à ce que je vienne le représenter. Et il m'a chargé de transmettre à M. Traoré, aux imams, à nos mamans et à tous les frères et sœurs musulmans ici présents, m'a demandé donc de leur transmettre ces salutations qu'il est de cœur avec vous. Et il demande surtout que c'est une cérémonie de lecture coranique, donc de prière, de bénédiction. On a souhaité, on a demandé que dans vos prières, que vous n'oubliez pas de prier pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Voilà. Que vous n'oubliez pas de mentionner dans vos prières le gouvernement et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Bagodo Diomandé. Et également, que vous n'oubliez pas, et je sais que vous n'allez pas oublier, de prier pour lui-même, le préfet, et l'ensemble de ses collaborateurs que nous sommes, pour que la mission pour laquelle le président nous a chargés et que cette mission soit facile. Elle est difficile, mais avec les prières, que cette mission soit facile. Ce soir, vous voyez, j'étais avec Citoré aujourd'hui à une réunion et je n'ai pas pu venir avec les forces de l'ordre. Mais je suis venu avec un ami d'enfance. Qui est également un frère musulman avec qui j'ai fait le collège. Aujourd'hui, il est en poste en fonction à Okiné. Donc, il est de passage ici à Kanioua, il est venu me rendre visite. Il s'appelle M. Amara Diomandé. Amara Diomandé. Donc, lui n'est pas sorti, mais quand j'ai dit que c'est pour une cérémonie lecture coranique. Il y a, dans ce cas, allons-y. Ouais, lui, il est bien habillé. Voilà. Conséquemment, donc nous sommes là pour prendre part à cette importante activité. Et je m'associe, en tout cas, à nos imams, qui sont les érudits, qui sont les sachants, les connaisseurs. Je m'associe à eux pour formuler des prières pour que tout ce qu'ils vont demander ce soir dans leur prière, qu'Allah, dans sa miséricorde, puisse les exaucer. Amen. Merci beaucoup.